dire. Je ne connais rien dans le cheval, je ne veux pas vous parler de cheval. En juridiction, je suis encore plus libre, donc je veux vous parler d'autre chose. D'abord, je voudrais rendre un hommage à quelqu'un ici, ça fait 8 mois qu'on bloque le site, à quelqu'un ici qui soutient avec sa gentillesse, avec sa convivialité, avec sa compétence, qui soutient le site et qui est notre référence, je voudrais parler d'Émilie. Émilie, tu es notre référence et tu seras notre référence jusqu'au bout. Maintenant, je voudrais parler d'autre chose. Je voudrais parler du FRO qui, bon, vous le savez tous, qui est une assemblée de citoyens pacifiques, et j'insiste sur ce terme pacifique, parce que si on est encore là, c'est parce qu'on a été pacifique. Donc, c'est une assemblée de citoyens qui, issus de tous les horizons, horizon politique, horizon professionnel, horizon culturel, je crois que c'est un cas unique. Ici, il n'y a pas de corporatisme. Et on travaille pour l'intérêt général. Il ne faut pas oublier, ici, c'est l'intérêt général. On a beaucoup parlé de chevaux, mais il faut aussi parler de l'intérêt général, qui est pour moi, parce qu'ici, il y a aussi un problème de santé publique. L'intérêt général, vous savez, c'est pas toi que je vise, Isabelle. L'intérêt général, les politiques en parlent beaucoup, surtout pendant les campagnes électorales. Et moi, je me dis, mais les politiques, et là, je rejoins ce que disait Pascal tout à l'heure, les politiques, mais où sont-ils? Monsieur Beauvais, Monsieur Goasdoué, où sont-ils, ces gens-là? On ne les voit pas. Qu'attendent-ils pour balancer un communiqué de presse afin qu'ils prennent une position officielle pour dire que GDE est une société mortifère et qui va tous nous faire crever? Et puis, je voudrais dire aussi autre chose. J'ai perdu le fil de ma pensée. Je voudrais dire autre chose, c'est par rapport... Non, c'est pas ce que je voudrais dire. Je voudrais dire que moi, GDE, je les vois partir. Je vais les voir partir parce que, tout simplement, ce sont des gens qui sont des voyous, bien sûr, qui bafouent la loi en permanence et qui ne respectent pas les lois fondamentales de la démocratie. Pour revenir aux politiques, j'ai oublié une chose, c'est ça que j'ai complètement oublié. Je ne mets pas tous les politiques dans le même sac. Il y a des gens tout à fait remarquables et je voudrais citer Yannick Souguin, François Dufour, Karima Deli et Isabelle Gaucher qui nous ont tous soutenus depuis le début et qui font preuve de militantisme remarquable. Et ça, je tenais à le souligner ce soir. Enfin, moi, j'ai une espérance, je suis toujours optimiste, ça fait partie de ma vie et je pense qu'on va gagner. Et nous, on reste soudés tous. On a des petits problèmes, des petits conflits qui sont propres au groupe, mais ça, c'est tout à fait secondaire. Notre force principale, c'est qu'on a tous un but unique, c'est de voir partir cette société voyou. Voilà.